tous. Je m'appelle Maria Sipessel, je suis enseignante de lettres et ma collègue. Marlène Pratica, moi je suis enseignante d'histoire géographie. Je regarde dans le même collège, une langue gironde, un collège rural, mais un gros collège, puis on a 600 élèves dans cet établissement. On a travaillé l'année dernière dans le cadre de des formations à la réforme, et en particulier des EPI. On a élaboré un EPI pour un peu le tester en amont. Alors, dans un contexte un peu particulier, parce que l'année dernière, comme on s'ennuyait, on a fait un Master 2 qui venait juste d'ouvrir à l'ESPE de Toulouse, qui est un Master 2 qui est réservé aux enseignants qui sont en poste, qui est désigné, qui vraiment ne concerne que l'éducation, les médias et l'information. Donc, un Master 2 à distance, hein, tout en classe virtuelle, avec bah, que des collègues. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ici, mais dans le Master 2, il y avait essentiellement une professeur de géographie et des documents belges. Et une prof de lettres qui était là. Et donc, cette expérimentation, elle est née un petit peu à la rencontre des deux. À la fois, il y a un moment où quand on veut faire des formations sur un truc, il faut le tester parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on s'est lancé dans ça. Et puis, deux, on avait envie d'utiliser un peu ce qu'on avait appris dans des choses qu'on a vues ce matin. Hein. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je fais de ma connaissance, hein, qu'est-ce que je fais de mon information, où est-ce que je fais de mon information. Et c'est parti donc de ce sujet-là, et surtout du contexte. Donc c'était au mois de février-mars l'année dernière. Donc février-mars l'année dernière, ben, le contexte, c'était la principale question d'actualité, c'était la Méditerranée et les migrants. Et on est, comme on l'a dit, dans la ville est absolument inconnue sur la carte, un espace rural complètement déconnecté de réalité internationale. On a 40 km de Bordeaux, la plupart de nos élèves ne sont jamais à Bordeaux. Et qui avait du mal à. La commune, c'est Bourg sur Gironde. Ouais. Et donc, la plupart des élèves, ce sujet-là était un sujet qui était. En tout cas, ils y avaient accès essentiellement par de la désinformation, essentiellement par surtout les. Non pas que les réseaux sociaux, mais surtout les commentaires des réseaux sociaux. Et on avait. Beaucoup de polémiques à traiter en classe sur au moment de la photo d'Aïlan, au moment de la reprise de la photo d'Aïlan par Paris, au moment des aides de l'Union Européenne et des fameuses phrases on aide les étrangers, on laisse les Français dehors. C'est des choses qu'on entendait tous les jours. Donc, l'immigration, moi c'est un sujet que je traite tous les ans, quatrième, parce que c'est le troisième ou quatrième, mais j'avais jamais été vraiment satisfaite de ce que j'avais fait de ce traitement. Et donc on s'est dit, voilà, c'est le moment de s'y mettre et de faire vraiment un truc bien. Parce que c'est plus possible de passer comme ça. Il fallait rentrer dans la réalité des choses. L'avantage, en fait, c'est qu'on est dans le même collège, on a aussi des classes en commun parce qu'on est aussi à l'origine de classes PEM, des classes options médias dans notre collège. Donc là, on est à la 7e promo et c'est un dispositif un peu particulier dans notre établissement. Ce sont des groupes qui sont constitués à la fin de la 5e, des groupes très hétérogènes et souvent en fait avec les élèves un peu borderline, quoi, hein, ceux qui sont un peu décrocheurs en fin de 5e, ceux qui arrivent assez mal à rentrer dans l'espèce de moule que certains institutions ne peuvent pas leur imposer. Donc on recrute un groupe d'élèves, hein, une petite trentaine. C'est quand même un gros groupe. Et sur 2 ans, on les conserve, nous en lettres et en histoire géo, puis en anglais aussi souvent. Et le groupe reste sur 2 ans, donc on fait un projet à long terme avec eux. Et donc, avec ces élèves-là, on a des heures en plus. Jusqu'à l'année dernière, on avait 2 heures en 4e. Donc, on s'est dit aussi que c'était l'occasion, classe média, sujet d'actualité, en lettres, dans les nouveaux programmes. Maintenant, il y a quand même un chapitre en 4e, enfin, en tout cas un thème, pas un chapitre, mais informer, déformer, s'informer. Donc on s'est dit qu'il y avait un moyen de rentrer dans les apprentissages par tous ces biais-là. L'idée c'était ça, hein. Nous on a chacune un angle. Moi je suis partie d'un roman, Eldorado, de Laurent Godet, donc qui s'inspire quand même lui-même d'un fait divers, qui croise le parcours de deux personnages, un migrant d'un côté, un migrant soudanais, et de l'autre côté un garde-côte italien. Et on s'est dit, bon voilà, on a notre matière dans nos disciplines, qu'est-ce qu'on peut en faire pour travailler en interdisciplinarité et construire vraiment des savoirs un peu solides, faire du lien.
Donc le cadre, on ne va pas le reprendre, hein, mais alors du coup, on s'est posé la question de sur quoi on part. Alors on a ce roman, là ils ont commencé par le roman, ils sont entrés dans la géo par le roman, etc. Et aussi, on avait un petit peu peur de la surcharge cognitive entraînée par la recherche autour de ce sujet-là. Là, c'était quand même un peu très dense. C'est le moment où il y a vraiment beaucoup de publications de nature et de qualité très différentes. Donc on a fait un choix, puisqu'on a fait une présélection. Sur un ballet où on a réuni ce qui allait être leur base de données. Donc un choix qui a été difficile à faire parce que le but c'était quand même qu'ils acquérissent des techniques de recherche de culture informationnelle solide et en même temps qu'ils ne se noient pas non plus dans l'immensité de... Hein, parce qu'un élève de 4e qui n'est pas formé, il va sur Google et il tape migration. Il migre et puis il prend ce qui vient en premier et selon son algorithme et selon où il est, en plus il ne trouve pas forcément la même chose. Donc du coup on est parti des productions, on est parti puisqu'on était dans l'expérimentation toujours au pays, donc on était parti des contraintes institutionnelles, essayer de voir si ça marchait. Donc on s'est dit quelle est la production attendue, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme réalisation. Donc il y a eu plusieurs réalisations, il y a eu une tâche complexe évidemment dans la peau d'un journaliste. Dans le même temps, parallèlement, ils ont produit un numéro spécial du journal du collège sur les migrations et un projet d'écriture collaborative via Twitter. On est parti sur ces objets-là qui se complétaient les uns les autres. Au niveau numérique, je pense qu'on est peut-être vraiment dans un des collèges les moins équipés du monde. C'est vraiment une catastrophe absolue. Alors il y a plein de raisons qui expliquent ça. Hein. Il y a eu, on a eu 2 ans compliqués au niveau de la direction, ça a mis très mal fini. On a eu notre responsabilité qui est partie. On a eu un gros problème énorme, je vous passe les détails, avec un trou de 20 000 euros dans la caisse qui fait qu'on n'a pas... On a dû piocher dans le pédagogique pour ces chauffages. On a enchaîné les poisses. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans ce collège. Ça fait 2 ans que ça commence à peu près, mais on a enchaîné les poisses. Donc, du coup, pour 600 élèves, on a des PC parfois qui marchent dans les classes. On a 2 classes mobiles qui maintenant doivent être à 10 ou 11 ordinateurs le 15. Parce qu'au fur et à mesure, ils tombent en panne, évidemment, ils ne sont pas remplacés. On a 4 iPads. Notre trésor de guerre. C'est le trésor du collège. Et du coup, on a un petit peu changé les règles, puisqu'on a fait inscrire au règlement intérieur l'utilisation du téléphone personnel des élèves dans le cadre pédagogique. Sachant qu'il est interdit le reste du temps dans le collège. Voilà. Donc on s'est lancé là-dessus, avec une connexion. Nous, on n'a pas la fibre, on n'est pas dans les Pyrénées-Atlantiques. Hein. Donc tout le monde ne l'a pas non plus. C'est bien, on rassure. On n'a pas tout ça. Voilà. Donc on est parti de là. C'était le point de départ, effectivement. Et oui, aussi, on a créé un groupe Messenger avec la classe, avec les profs et la classe, pour communiquer en dehors et essayer d'un petit peu de dématérialiser et transférer un petit peu les échanges qui étaient très intéressants et qu'on n'a pas forcément le temps de mener en classe. Parce qu'il n'y a pas de NT non plus dans notre collège, donc on voit qu'on... Voilà, on bricole. L'idée, c'est que ce qui faisait peur aussi l'an dernier au collège, c'était la question du temps, parce que vraiment, on a pensé ça, les EPI, qu'est-ce qu'on va montrer, comment on fait. Il y avait cette histoire de casse-tête d'emploi du temps, les gens étaient focalisés sur « oh là là, faut les barrettes, faut aligner mes machins, trimestres et tout ». Donc nous, on a choisi de traiter vraiment ce projet dans nos cours disciplinaires, et il y a eu, parce qu'on avait les heures... un tout petit peu de temps durant nos options, nos heures d'options médias, mais en fait il y a eu 2 séances médias, donc 2 fois 2 heures. Le reste du temps c'était chacune dans son cours, mais finalement chacune dans son cours physiquement, mais les élèves en cours de français avec le cahier de géo et en cours de géo avec le roman, avec etc. Le roman. Donc ça dématérialise finalement aussi, et puis on est voilà, on était quand même en lien en permanent. Donc pour la séquence de français, le point de départ, donc Eldorado, avec une lecture différenciée pour arriver à approcher tout le monde, parce qu'il fallait vraiment quand même que les élèves soient familiarisés avec le roman, puis on a vraiment, au final, réécrit le roman. Donc en lecture différenciée, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé à certains, à mes petits lecteurs, de ne lire que certains chapitres. Alors ça se passe plutôt bien dans ce roman puisque on alterne, un chapitre est consacré à un des personnages, le suivant à l'autre. Donc tous les chapitres pairs étaient consacrés au personnage qui nous a vraiment servi, le personnage de Soleiman qui est donc un garçon soudanais. Et donc on est parti là-dessus en disant, bah voilà, vous lisez les chapitres pairs,
pour qui c'est compliqué. Puis les autres, vous vous rapprochez, vous lisez tout. Puis ceux qui avaient lu les chapitres pairs, ils ont quand même été un peu titillés et ils ont fini par lire le roman en entier. On n'aurait pas dit, c'est qu'à la fin, les deux personnages se rencontrent. Évidemment, pour comprendre ce passage-là, si on a pas lu. Donc il y a beaucoup d'élèves qui sont revenus en arrière et qui ont recommencé à lire l'autre partie du roman parce qu'évidemment, ils ne comprenaient pas la rencontre. Et donc voilà, après moi ça a été un travail collaboratif, c'est-à-dire que toute la séquence a été menée en groupe, et donc on avait un groupe par chapitre pair, donc ça va être compliqué, hein. Je ne sais plus combien de chapitres, et donc j'avais un groupe par chapitre pair, donc je crois qu'il y avait six groupes, un truc comme ça, et à chaque fois un support commun, un lieu commun de travail, donc Google Drive, hein, pas parce qu'on aime Google, mais parce qu'on n'a rien d'autre, en tout cas d'aussi efficace pour le moment chez nous. On est parti dessus, l'objectif étant de réécrire donc notre roman. Donc le point de départ, hein, c'est du travail de français basique, relever des informations, et en partant d'un élément clé, hein, un motif littéraire, la question de l'Eldorado, avec un point de départ relativement classique, hein, on part de Voltaire, on arrive à Baudet, comment Laurent Baudet reprend ce motif, hein, d'Eldorado, en voyant que finalement l'Eldorado c'était une question de point de vue. Là on a fait un travail de relevé d'informations, donc pareil, hein, les 5 W, qui sont les personnages, où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qui leur arrive, et donc là toujours pareil, le chapitre 2, premier chapitre, on a fait ça en classe entière, et puis après par groupe, ils se sont répartis le travail, là, chapitre 4, alors qui sont les personnages, où est-ce que ça se passe, et puis qu'est-ce que je retrouve d'important dans mon chapitre, hein. Donc ils avaient travaillé individuellement, puis ils ont mis en commun, hein, avec un moment où ils réfléchissent tout seuls. Et alors l'intérêt c'est que chaque élève travaille pour son groupe et chaque groupe travaille pour la classe, puisque on a besoin que chacun ait fait un petit bout du puzzle pour arriver à tout comprendre. Ce relevé d'informations, en particulier la colonne lieu, elle nous a permis de faire ça. Alors on est sur un tracé qui est quand même très arbitraire et discutable sur le plan géographique, avec nos lignes droites, mais on a relevé dans le parcours des éléments réels, et puis ils ont commencé à dire que cette fiction qu'on était en train de lire, elle comportait des éléments qui étaient quand même drôlement proches de ce qu'ils commençaient à faire aussi en géo, avec les cartes de géo, les vraies cartes sérieuses. Là, on vous présente séparément, c'est pratique, mais voilà, en géo, ils ont vraiment fait la même chose. La même semaine. On a vraiment commencé les. Donc c'est vrai que pour Marlène, mon personnage littéraire, il incarnait quelque chose de conceptuel. Et puis moi, ça me permettait aussi de mettre vraiment un lieu, des lieux physiques sur ce. Sur la fiction, qui d'habitude est quand même très distanciée, en tout cas dans leur esprit. Donc dans un deuxième temps, puisqu'on était toujours dans l'objectif de produire quelque chose, un objet médiatique, un nouveau roman sur un réseau social, on a étudié une production médiatique. Alors c'est vraiment un travail très intéressant d'une journaliste qui s'appelle Lucie Soulier, et donc elle a suivi des migrants syriens, des vrais gens, qui ont tout le long de leur parcours vers l'Allemagne, donc c'est une jeune femme et son beau-frère, tout au long de leur parcours, ont communiqué avec leur famille, restée en Syrie, avec des membres de leur famille qui étaient déjà en Allemagne, et donc tous leurs échanges, donc c'était par WhatsApp, tous leurs échanges, qui ressemblent à des échanges SMS en fait, ont été compilés, et donc elle a fait un travail là-dessus pour justement montrer une part de réalité, et puis aussi permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. On est sur une migration qui est vraiment une migration, trouve-moi le mot. Oui. Oui, parce que voilà, c'est la première fois où on a cassé leur représentation. Ce matin, on parlait de casser leur... C'est que pour eux, déjà dans un premier temps, les migrants, ils étaient forcément noirs. Et ensuite, ils étaient forcément pauvres. Alors, il fallait ouvrir un petit peu l'esprit, parce que là, effectivement, en suivant ces Syriens qui quittent tout au début quand même pour aller à l'université et qui ont des iPhones, je ne sais pas combien. Voilà, eux, ils faisaient des études de médecine, par exemple. Voilà, donc ça a commencé à casser les représentations. Un petit peu, essayer de voir un petit peu la diversité, la réalité. Mais ils ont des portables. Oui, donc notre projet de faire réécrire le roman, finalement, regardez, là on est sur quelque chose, donc on n'est pas sur de la fiction, hein. Bon, ça a été forcément évidemment traduit, mais le fil est comme ça. Donc là on est sur le début de leur conversation, et tout au long de leur récit, on va avoir des messages personnels, mais également des messages qui ont trait aux conditions de voyage, des informations très factuelles, hein, sur des horaires
de départ, sur des choses matérielles, hein, où est-ce qu'on cache l'argent, etc. Tout en étant dans un contexte favorisé au départ, finalement. Donc l'idée, c'était de s'intéresser à la valeur de ce document, de cet objet médiatique, pourquoi on passe de la sphère privée au témoignage, qui est destinataire de ce message et pourquoi, effectivement, on en devient destinataire. Donc ça, c'est un peu effectivement cassé leur représentation. Et du coup, bah, une fois qu'on a eu fait ça, moi j'ai un peu fait l'inverse, c'est-à-dire que nous on a dit on va prendre notre roman puis on va le diffuser aussi sur un canal qui n'est absolument pas quelque chose qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire via Twitter. Alors, à Inoclast on fait beaucoup de choses, on a un compte Instagram, un compte Facebook, on a... Les usages des réseaux sociaux, c'est quelque chose que l'on pratique vraiment avec ces classes médias, mais Twitter, pour eux, ça n'avait pas de sens. Alors, ça a eu très peu de sens au départ quand je leur ai expliqué. Bon, on a fait d'explication, hein, comment ça marche, voilà, le langage de Twitter, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut partager. Bon, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient similaires à ce qu'ils partageaient habituellement, en tout cas dans l'usage de ce média. Mais en fait, dans le contenu, on n'était pas tout à fait sur le même contenu. Donc, on pouvait effectivement orienter son contenu suivant qui on suivait et ce qu'on suivait. Et il a aussi fallu faire un gros travail d'écriture. Alors, en tant que prof de français, moi, ça m'a intéressée parce que d'habitude, on leur demande de développer en français, enfin, globalement, hein, quand on les fait écrire, on veut qu'ils développent, voilà, que ce soit toujours peut-être plus long ou plus construit. Et là, on a essayé de voir comment on prenait du matériau et comment on en faisait une synthèse et quelque chose de très succinct. De percussion. Et pour eux, c'était un exercice... au départ, le plus incohérent du monde. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, on doit réduire la réduction de texte? Ça a été un exercice très intéressant à faire en français. Et puis, travailler aussi sur le hashtag, hein, les mots-clés. Alors, qu'est-ce qui va permettre? Oui, alors, dire peur, d'accord, peur, c'est bien. Mais peur, ça a plein de déclinaisons. Et si on est sur nos personnages, peut-être que justement, on va affiner. On doit être lu, vous vous rappelez, on doit être suivi. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quelle va être notre balise, hein? Il a fallu travailler sur la balise. On a discuté de tout ça, on s'est mis d'accord. Travailler aussi sur la cohérence, parce que alors, du coup, chaque groupe, on a repris notre tableau de départ, chaque groupe a dit « Ok, on va publier sur Twitter ». Donc, moi, j'avais mes informations, les personnages, le lieu, les éléments d'intrigue. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je dois ajouter dans mon intrigue? Parce que sinon, il y a des personnages qui sont tellement peu présents dans le roman qu'au bout d'un tweet, on les a perdus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter comme image aussi? En géo, on a vu plein de choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir reprendre du cours de géo pour augmenter tout ça? Donc, on a pu reprendre des personnages existants. Hein, le personnage principal qui est évidemment présent tout le long du roman. Il est accompagné d'un deuxième qu'il rencontre, donc lui aussi, il avait du corps. Mais la mère qui est là au début, ça va être intéressant de la garder puis de voir ce qu'on en fait. Mais qu'est-ce qu'on lui fait dire à cette mère qui va permettre de rester dans la cohérence du roman, mais sans inventer n'importe quoi? Ah, il va lui falloir lui choisir un nom parce qu'on a dû leur créer des bon, ça, c'était leur travail de recherche. Et puis il a fallu à chaque fois trouver le nom des personnages, leur inventer, quand on crée un compte Twitter, une petite bio, une petite fiche de présentation. Et ensuite ils se sont lancés dans la publication. Donc là, ça a été un peu le casse-tête, je ne savais pas faire, concrètement. Hein. Et je ne savais pas comment organiser ça. Et on a publié groupe par groupe, c'est-à-dire que les groupes du chapitre 2 se sont réunis, on avait créé tous nos comptes de personnages. Et ils ont tweeté l'intrigue du chapitre 2, donc chaque personne du groupe. Responsable, l'un de Soliman, l'un de la mère, etc. Une fois que c'était terminé, il faisait le point avec le groupe du chapitre suivant, pour voir si c'était cohérent, et le chapitre suivant publié. Ça permettait pour l'instant que les autres fassent autre chose, l'autre activité qu'on vous montrera tout à l'heure. Donc ça a donné lieu à un gros échange de tweets, et on l'a regroupé, on vous donnera après le si ça vous intéresse. En fait, ça nous donne un petit récit, alors qui ressemble. On a recensé tous les tweets sur ça s'appelle Storyfy, en fait, c'est juste un outil qui permet de faire de la compilation de publications. Et du coup, ça donne quelque chose qui est plutôt sympa et puis qui a eu de la portée, hein, puisque je peux aller voir ça. Et c'est bien chouette. 999 vues, si vous pouviez aller voir, ce serait gentil. Au début, on avait nos comptes là qui ont été créés. Et donc, on a tout le déroulement, donc avec... les différents personnages qui échangent. Alors, on n'est pas sur du roman, on est vraiment sur la production courte, mais c'est intéressant d'arriver à voir le fil. Mais ça, on pourrait le récupérer, ce sera
aussi simple, parce que là, ça ne va pas avoir beaucoup de sens de le montrer comme ça. Donc voilà la partie français du projet, mais qui n'aurait pas pu être menée finalement sans leur connaissance en géo. On a mis le MI. Ah, on a mis le MI. Bon, on va passer par le MI. Ouais. Voilà. Alors le MI, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Donc qui a un référentiel qui est rentré officiellement en vigueur avec le collège 2016. Alors le MI, on l'a toujours fait, on est bien d'accord. Sauf que là, il y a un vrai référentiel qui est sorti avec. Et donc l'éducation aux médias et l'information, bah, comme son nom l'indique, il y a les deux composantes. Il y a à la fois la composante médiatique, qui est celle par laquelle on rentre le plus facilement quand même. Parce que déjà, tous, on commence par faire l'éducation par les médias, et que très souvent, on glisse à l'éducation aux médias qu'en fait de la lecture d'images, en fait des choses comme ça. Voilà, et puis il y a là, surtout, bah, ce qu'on en parlait ce matin, là, la culture informationnelle, c'est-à-dire comment je cherche, qu'est-ce que je cherche. Comment organiser une recherche qui soit efficace, bah, tout ça évidemment bah, ça s'apprend, et on a beaucoup travaillé nous notamment vu le sujet sur la fiabilité de l'information, qui a été quand même notre problématique à long terme. Donc on a commencé par faire ça, hein, sur la fiabilité de l'information. Donc on est parti sur des vidéos, peut-être vous connaissez France 24, Info Intox, ouais. Ce sont des journalistes qui décryptent, une petite vidéo simple hein, qui explique comment les images avaient été détournées, notamment de cette fameuse petite fille qui était censée être en Ukraine au moment de la guerre, en fait pas du tout, c'est l'extrait d'un film australien, enfin rien à voir. Et donc voilà, on a commencé à travailler là-dessus, on leur a fait travailler sur les outils tout simplement Google Images, hein, qui retrouve n'importe quelle photo qui a déjà été publiée. Donc on voit bien que bah non, cette photo-là, ça peut absolument pas être un enfant syrien massacré par des Russes, puisque la photo a été prise il y a 15 ans, etc. etc. Enfin, après, ça va un peu plus loin dans la vidéo, avec notamment au gouvernement toute une histoire où ils font apparaître un tatouage marine sur un djihadiste, ce qui n'est absolument pas possible. Quand on redéconstruit, on voit bien qu'au niveau des pixels, le tatouage a été rajouté et que c'est absolument pas possible. Donc on a commencé à travailler voilà, sur ces outils-là et se dire, bah, quand j'ai un doute sur une photo, déjà, on va commencer par la photo, parce que c'est quand même ce qu'ils partagent le plus, nos ados. Quand j'ai un doute sur une photo, qu'est-ce que je peux faire simplement, sans être un génie, pour vérifier cette photographie d'où elle vient. Donc ça, c'était la première étape. Et une fois qu'on a fait ça, on les a fait réfléchir. Alors les a fait réfléchir, on est parti... On les a fait réfléchir sur évaluer la pertinence et on a construit cette carte avec eux. Mais on l'a construite avec eux, on n'a pas donné. C'est vraiment, on a branché le logiciel et on a réfléchi à bah, si je veux évaluer la pertinence, la fiabilité d'une information, à quoi il faut que je réfléchisse. Donc on a vu qu'on repartait encore toujours sur qui, quoi, pourquoi, comment. Et à force de réflexion, et ben on est arrivé à cette carte, qui est donc un outil qui devait être utilisé ensuite dans la recherche. Bah voilà, je trouve cette information, bah, je dois me poser quoi comme question, qui le publie, est-ce que j'ai le nom de la personne qui publie, si j'ai pas son nom, si je ne connais pas, est-ce que j'ai sa fonction, d'accord. Ce site, c'est quoi comme type de site, c'est un site personnel, c'est un site gouvernemental, etc., etc., etc. On a beaucoup travaillé évidemment sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, leur faire différence, enfin voilà, pour eux, Facebook, c'est Facebook. Sauf que sur Facebook, si vous êtes abonné au fil d'actualité du monde, ou si c'est votre cousin Hubert qui dit quelque chose, l'information n'a pas la même valeur. Donc on les a fait réfléchir là-dessus. Et donc vraiment qui distingue aussi, petit à petit, et fait apparaître la notion d'opinion. C'est-à-dire la différence entre un fait et une opinion. Donc ce monsieur pense qu'il y a trop de migrants, c'est une opinion. Maintenant, si je veux me faire mon opinion, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher comme information? Et donc là, on a pu un petit peu susciter leur curiosité. Pour moi, vous verrez dans la séquence de géographie, les amener vers des choses beaucoup moins, qui font beaucoup moins rêver que publier sur Twitter et compagnie. Parce que quand vous commencez à vouloir chercher des documents sérieux sur les conséquences économiques des migrations en France, eh ben, il faut aller taper dans l'universitaire. Parce qu'il n'y a rien de publié de sérieux qui soit accessible aux élèves. Donc il faut aller chercher sur les sites, c'est l'universitaire, c'est les recherches, c'est l'INED, et donc des documents statistiques hyper, j'ai en quatrième, pour réussir à les emmener là-dedans. Sauf qu'une fois qu'on avait commencé à piquer leur curiosité, et qu'en gros, ils avaient pour la plupart quand même des opinions qui sont très sur les sentiments, hein, donc à partir du moment où il y avait les photos d'Aylan, les enfants, ils avaient plutôt envie de trouver des informations qui allaient contredire le genre de commentaires qu'on avait pu lire. Donc là, ça les a un petit peu motivés pour aller chercher ce genre d'informations.
Donc on a utilisé cet outil. Moi, j'ai en parallèle dans mon étude de cas énormément travaillé sur l'image de presse. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'image de la presse et le bulletin de presse. Et on a fait une séance EMI. Donc la deuxième séance était sur l'image de presse. J'avais commencé la partie méthodologique en cours, hein, avec une caricature très classique, et on a détaillé voilà, un tableau d'analyse d'image fixe. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai réussi à les amener vers des choses un petit peu compliquées, puisque c'était un tableau qu'on avait justement parlé du master constitué en cours avec une maître de conférence, de sémiologie, de machin, donc un peu simplifié. Hein. Mais on les a amenés justement à vraiment s'interroger sur des détails de l'image, sur le plastique, sur comment les couleurs, enfin. Et une fois qu'ils avaient fait ça, chacun a choisi une image de presse de leur choix, et ils ont dû faire l'analyse, et on a publié leurs analyses sur le Padlet. Alors, c'est des analyses des quatrièmes, on est bien d'accord. En plus, on a laissé ça authentique, donc on n'a pas corrigé toutes les fautes d'orthographe. Mais on a quand même des productions qui sont très pertinentes et qui amènent vers des, quand même des éléments de réflexion et des éléments assez intéressants. Donc, et on a aussi, évidemment, à chaque fois, on leur a dit de remettre la source exacte, de où on pouvait trouver cette image, de qui l'avait fait, à quel moment, etc. etc. Donc ça a été un travail très intéressant, qui leur a beaucoup plu. Et c'est une classe, donc on l'a fait l'année dernière, c'est une classe qu'on est en troisième cette année. Moi j'ai deux troisièmes entre ma troisième classique et cette troisième-là. Je peux vous assurer que l'analyse des affiches de propagande, c'est pas la même chose. Et l'autre jour, en français, dans le manuel, je leur ai proposé de caricatures. Et là, ils étaient outrés parce que les sources n'étaient pas suffisamment bien précisées. Sur le manuel. Alors, pas tous, hein, mais effectivement, il y a certains qui ont dit, mais là, il y a un problème, mesdames, ça ne va pas du tout. Voilà, ce qu'on avait dit, c'est qu'on avait notre Padlet de départ avec les ressources pour les élèves. Et du coup, on a gardé le même outil pour qu'eux aillent produire. Donc là, on a un premier Padlet sur lequel ils ont publié leurs images et leurs analyses de dessin de presse. Puis il y en aura un deuxième qui regroupe les productions de la tâche complète, finale, lettres, histoire, lettres, géo. Et puis, donc là, justement, ce fameux objet médiatique. Donc à la fin de tout le travail, parallèlement à la production tweet roman, on a dit, bah voilà, il faut une production vraiment interdisciplinaire. C'est une classe média, donc l'objectif c'était de leur faire imaginer qu'ils étaient un journaliste. Et donc à la fin du roman, le personnage Soliman arrive à franchir la frontière et il se retrouve en Espagne. Et on me disait, voilà, bon, tu es journaliste, tu as retrouvé le personnage et puis son ami Boubacar. Ton rédacteur en chef demande de raconter ce qui leur est arrivé après. Donc tu fais comme tu veux, il faut une production médiatique, mais alors au choix. C'est aussi l'idée hein, dans les EPI de pouvoir avoir une production qui soit individualisée, différenciée, que chacun produise à son niveau, tout en respectant la consigne de base. Hein. Et alors là, contrairement à tout ce qui avait été fait avant, c'était un travail individuel. Alors individuel, vous allez le voir, ils sont souvent nombreux, là, notamment sur les vidéos tout, évidemment, parce qu'ils ont produit, enfin ils ont écrit, et puis ils ont joué des acteurs, des figurants, etc. Alors ils ont joué des copains, toujours dans la représentation quand même, on a quatre élèves noirs dans le collège. Un dans cette classe, donc il a toujours joué le rôle de... Le migrant de service. Vous retrouvez Boubacar, c'est toujours le même. Voilà, Boubacar en fait, c'est pas cet élève qui fait tout dans la classe, mais voilà, c'est le figurant. Donc ça donnait des choses très variées. Si on prend ce document-là, donc on a, vous voyez, hein, il y a quand même beaucoup de textes, donc ils ont aussi publié sur le Padlet, mais dans les textes, on va voir aussi bien des interviews, il y en a un, c'est assez rigolo celui-ci, alors je ne vois pas pour le zoomer, c'est un carnet de bord en fait, il a imaginé l'élève qui était journaliste, qui suivait le parcours jusqu'à Calais, c'est des élèves, il y en a certains qui étaient allés en Angleterre, et qui avaient assisté à une scène, à Calais avec une scène de violence, etc. Donc ça les avait beaucoup marqués. Du coup, à un temps, on réinvestit ce qu'ils avaient vu. C'était un peu l'idée, quoi, à un moment, de connecter avec la réalité. On a des reportages, interviews, on a plein de choses comme ça. Et puis, on a aussi des objets médiatiques un peu plus recherchés. Une interview, par exemple, ici. C'est un extrait. Où là, ça c'était assez rigolo parce que on a des élèves qui ont dit bah nous on va faire une émission de radio en fait.
enfin une émission de radio. Une parodie, une parodie ou s'inspirer d'une émission de radio. Tout à l'heure, ça fait. Raconter mon périple. Alors attendez, je vais vous le mettre à un endroit où c'est intéressant. C'est dur 10 minutes. Oui, ouais. 3 minutes quelque chose. Je vais vous la lire. Hop là. Et ce livre est. Non, excusez-moi. Bien l'euro. Bonjour Denis, bonjour chers auditeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une occasion très spéciale, car oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très controversé, l'immigration. Alors pour commencer, je vais vous recommander de lire le roman Eldorado de Laurent Godet. Pour vous plonger un peu plus dans le bain, je tiens à préciser, nous n'avons pas été payés pour le lire. Oui, et ce livre est tiré d'une histoire vraie. Je vais donc vous raconter la suite, mais je ne vais pas vous la raconter sous n'importe quelle forme, je vais vous la lire. Car nous nous sommes renseignés sur ce qui s'est passé après la fin de la dite histoire, et nous l'avons retranscrit par écrit. Donc, le livre s'est arrêté au moment où Soleiman et son compagnon Boubacar ont franchi la frontière de l'Espagne. Ils ont donc atteint leur but, l'Eldorado. Pour vous remettre dans le contexte, Soleiman et Boubacar sont arrivés en Espagne après s'être battus pour passer la frontière. Après avoir repris les forces dans le camp où ils avaient été placés, ils sont partis dans la ville de Séville pour chercher un travail pour pouvoir subsister. Ils ont. On ne va pas vous l'infliger en entier, mais vous avez reçu les liens si vous voulez écouter pendant 10 minutes nos chers élèves. L'avantage de ce travail, alors au départ, moi je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment sur un travail de journaliste? Et puis, quand même, si c'était enrobé, au début de l'enregistrement, il y a une interview. Et bon, voilà, je ne sais pas si vous aurez reconnu les références, mais c'est quand même de la bonne référence parce qu'on est sur une pseudo-émission qui mêlerait du « ça peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne mélangé à un boomerang d'Augustin Trappenard. Enfin, voilà, elles sont parties en disant qu'on fait une émission de culture. Et elles ont eu bien raison d'avoir du courage puisque après, ça, on l'a diffusé sur Twitter et puis on a tagué Augustin Trappenard qui a beaucoup aimé. L'élève fait son stage de 3e avec Augustin Trappenard. Elle part lundi matin et elle passe. Donc on est toutes hyper jalouses, évidemment. Mais comme quoi, des fois, il faut. On avait partagé, donc on l'avait tagué, il avait aimé la production. Et du coup, quand elle a voulu faire son stage, elle a dit oh, moi j'aimerais bien, voilà, mon rêve, pour surgiront les prêts, mais jamais, bah, vas-y, dans un message, et puis on essaye, et puis on recontacte. Et effectivement, il se rappelait du. Bon, après, c'est un ancien prof, hein. Je pense que ça a peut-être aidé un petit peu. Mais bon, c'est quand même chouette. Hop, bah, avançons, parce que sinon. Donc voilà, donc ça c'est regroupé sur ce fameux deuxième palet. Et puis il y a un peu de géo quand même. Il y a un peu de géo quand même dans tout ça. Alors la géographie au collège, ça ne fait pas rêver les élèves. Mais alors vraiment pas, surtout en quatrième. En quatrième, le thème de l'année, c'est la mondialisation. Alors déjà, la plupart des adultes nous demandent de définir ce qu'est exactement la mondialisation, la définition géographique de la mondialisation. Et donc on a commencé, alors évidemment j'avais déjà fait un premier cours qui est absolument pas sexy puisque c'est d'abord les échanges commerciaux, hein. Donc les porte-conteneurs, les zips, c'est génial, ça les intéresse vachement. Mais bon, on arrive quand même à poser 2-3 trucs et après on reprend le contexte et toute l'année on est autour de ça, voilà, c'est quoi la mondialisation? La mondialisation c'est la mise en relation des différents espaces du monde sous l'effet de la révolution des transports et des télécommunications et qui transforme les espaces. Et voilà, et toute l'année, on répète ça. Et donc là, l'idée, la problématique, c'est de comprendre comment les migrations s'intégraient dans cette problématique. C'est-à-dire, quelle est la place des migrations? Alors, il y a deux thèmes dans ce sous-chapitre. Par exemple, on nous demande de traiter le tourisme en même temps que les migrations. C'est un petit peu compliqué, hein. Tout ce qui est mobilité humaine, quoi. Donc, du coup, là, voilà, on a vraiment, tu peux lancer les appels là-dessus. Et l'idée, voilà, c'est comment je donne corps à ce concept qui est hyper. C'est hyper compliqué, quoi, pour. Même pour nous, donc je suis géographe, je suis historienne à la base, quand on commence à se pencher dans vraiment l'universitaire sur la mondialisation, on ne comprend pas un mot sur deux, quoi. Donc je me suis dit, moi je vais faire comme ma collègue, je vais partir du roman. Alors je ne vais pas faire des études de cas sur du roman, parce que les études de cas, ça va quand même être du réel, donc j'ai cherché une étude de cas avec des documents validés, entre guillemets, d'Africains qui seraient passés par le Maghreb pour arriver en Espagne. Et donc j'ai pris les documents, une étude de cas qui est assez connue, hein, voilà, migrer du Maroc vers l'Europe, c'est quelque chose de très classique, donc avec des documents qui reprenaient, et ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pu commencer à les faire rentrer dans des documents statistiques un petit peu lourds, hein, sur la proportion des migrants. Alors j'ai bien distingué dès le début les types de migration, c'est-à-dire une migration économique, une migration
politique, c'était pas la même chose. Alors ça a été, là, le travail de français m'a facilité vraiment la vie, hein, parce que entre les Syriens qui vont faire la fac de médecine et Soleiman et Boubacar qui fuient la misère, ils ont tout de suite vu la différence. Sans pour autant mettre une hiérarchie dans les besoins des causes, hein, en tout cas des migrations. Alors, en fait, voilà, moi je me suis dit, c'est vraiment une séquence où ça a été du subterfuge, parce qu'à chaque fois j'ai réussi à leur faire avaler des trucs que je n'arrive pas à leur faire avaler d'habitude. Notamment la cartographie. La cartographie, ils aiment bien. Voilà. Colorier, ils aiment bien quand ils ont 4 ans, 14 ans, beaucoup moins. Donc, réussir à leur faire réfléchir que construire un croquis, c'est vraiment réfléchir, que c'est la même démarche que quand on écrit, qu'on construit un développement construit, qu'on fait une problématique et un plan, que c'était la même démarche. Et donc, j'ai réussi à placer un petit peu de méthode, donc voilà, tous les gros mots, les figurés linéaires, les machins, les trucs, j'ai réussi à leur placer. Donc ensuite, on a commencé par une première étape, vraiment quelque chose de progressif, on a commencé par le fond de carte, où ils ont la légende à moitié complétée, il faut juste reprendre les éléments de l'étude de carte pour faire une première carte, donc on a... Voilà, on a le premier, et puis après, à partir du palais, je dis, maintenant, si on élargit quand même, vous voyez bien que l'espace qui est traité tout en immédiat, c'est la Méditerranée dans son ensemble, et que les migrations dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas majoritairement les migrations économiques, qui sont pourtant en chiffres bien supérieurs, mais je veux dire, en termes de traitement médiatique, à cette époque-là, c'était surtout ça. Donc on a élargi, ils ont été chercher dans les padlettes les éléments d'information qui leur permettaient d'élargir et d'arriver à l'échelle au-dessus, donc là, au niveau de faire la carte des migrations internationales au niveau de la Méditerranée. Donc on est passé encore un niveau au-dessus. Donc, ce qui donne des choses pas mal. Ah mince, il y a un flou qui s'est mis au milieu. Il faudra que j'enlève. C'est pas grave. Et donc, on a réussi voilà, à mettre. En quatrième, c'est pas très compliqué. Hein. On leur demande juste de mettre en avant les différences de développement, de mettre en avant les différents flux, les zones de tension, pourquoi l'Europe se ferme, comment l'Europe se ferme. Enfin, c'est des choses. On est en quatrième, hein, c'est pas très compliqué. Mais ça permet de travailler de manière un peu plus ludique. Et ensuite, j'ai pu reprendre toutes ces compétences qu'ils avaient acquises. J'ai pu les reprendre et les faire monter au niveau dessus. C'est-à-dire que là, j'ai fait le contraire. J'aurais donné son tourisme. Le tourisme, c'est pareil, c'est pas passionnant à étudier. Je veux dire, une fois qu'on a compris que ça transformait, que le tourisme transformait les espaces et qu'il y avait des conflits d'usage et environnementaux, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Mais du coup, j'ai fait des choses un peu plus ludiques. C'est-à-dire que j'ai fait le contraire. J'en ai mis les cartes vierges sans légende et puis à eux de construire la légende. Et puis on a fait des choses comme ça. Donc ça, c'était voilà, comment j'ai réussi à leur faire avaler des choses un petit peu dures, enveloppées dans tout ça, hein, parce que tout ça se fait en même temps. Et puis après, j'ai pu, surtout, voilà, j'étais très contente parce que dans la production de radio, elle a utilisé ce mot, parce qu'on a travaillé sur le sujet de la controverse. Qu'est-ce que c'est qu'une controverse? Qu'est-ce que c'est un sujet controversé, etc., etc. Et donc on a abordé les conséquences économiques des migrations pour déconstruire les représentations, et j'aurais fait construire une carte mentale. Donc ça c'est la leur hein, qu'ils ont fait, à partir d'un article universitaire et d'un tout petit truc, dans un petit tableau qu'ils avaient dans leur manuel, mais qui ne vole vraiment pas haut. Et donc on a essayé de voir un petit peu, bah voilà, si on essaye d'être des scientifiques, des géographes, si on se place vraiment en objectivité, voilà, les conséquences positives, négatives pour les pays de départ, pour les pays d'accueil, et essayer de sortir un peu la focale, et essayer un petit peu d'être au-dessus de ce qu'on disait tout à l'heure, l'opinion. Donc ça nous a permis de travailler ça. Et ce qu'on disait, voilà, c'est que toute leur production, du coup, elles ont eu un autre sens complètement différent pour eux. Donc il y a eu des productions finales, on en a déjà parlé. Et j'ai vraiment eu des élèves, je pense notamment à un élève, ça a été la révélation. C'est-à-dire, l'élève que j'avais depuis 2 ans qui n'avait jamais écrit plus de 3 lignes, qui s'est mis à écrire parce qu'il voyait le sens de pourquoi écrire, quoi, tout simplement. Parce que lui, il me racontait les causes de la Révolution française, il m'a dit bien parce que. Mais ça, il voulait comprendre ça. Et donc ça m'a permis de varier les formes. Alors on a fait tout simplement des petits schémas, on a fait des cartes mentales, ils ont fait des infographies, ils se sont posé des questions, et on a un petit peu tourné le sujet dans tous les sens, et pour en arriver au but où je voulais vraiment, c'est-à-dire arriver à l'exercice académique d'histoire géo, le développement construit pour le brevet, voilà, et dédramatiser le truc, quoi. J'ai une vingtaine de lignes, vous en êtes capable largement. Et quand j'ai ramassé ce paquet de copies, oui, j'en avais largement plus de 20 lignes chacun. Voilà, et donc ça a complètement dédramatisé le truc. Et moi je me dis, j'ai fait cette année en troisième,
17 ans quand j'ai dit on va faire un bébé construit comme ça, ouais, bah, on va faire un bébé construit comme ça. Et cette peur de l'écriture était complètement tombée. Bah, en partant d'un truc voilà, enrobé, un petit peu. Voilà, les EPI, on peut se dire c'est un petit peu. Parfois on voit des sujets, des exemples qui passent, on se dit non mais là c'est la rigolade. Comment, en choisissant bien son sujet, on arrive par du ludique, on arrive à des choses très solides. Et du coup, oui, on est parti de quelque chose finalement de très ambitieux. Moi, je pense que si j'étais resté seulement sur la lecture du roman, l'étude du roman, il aurait vraiment manqué quelque chose à cette étude. Et surtout, en fait, on travaille déjà ensemble, tous les deux. Dans l'année, il y a d'autres séquences interdisciplinaires, notre projet de l'année prochaine, c'est d'arriver à faire quasiment toute notre progression annuelle, commune en fait. Ce que font nos collègues, Tout seul pour faire ça, on va essayer de faire ça. Voilà, mais si ça. Pas exactement parce que notre programme ne coïncide pas. Oui, c'est ça qui nous embête. Mais nous, souvent, avec les groupes en PLP, on a besoin de vous admirer, vous êtes tout seul pour faire ce que nous, on met à deux pour faire. Bon, alors du coup, c'est quoi l'intérêt? Alors c'était assez rigolo parce que ce matin, on a beaucoup parlé de la question du rapport au savoir, du sens qu'on pouvait donner à ce qu'on amenait aux élèves, et au milieu de tout ça, de la motivation. Et c'est vrai qu'au cœur de ce projet, on est vraiment là-dessus, quoi. Déjà en termes de bénéfices, voilà, l'idée c'est de dire que en amont, le Padlet, ils y ont eu accès en amont, voilà, avec toutes nos ressources. Ils sont allés, ils ne sont pas allés, peu importe. Le roman, ils l'avaient lu, même si parfois certains avaient des choses à rectifier au niveau du sens, mais on avait déjà une approche en amont. Et on les a tannés en amont sur Messenger aussi, parce qu'on avait vraiment besoin que cette séquence aussi elle roule à peu près, puisqu'on était aussi dans une étude pour le master, quoi. On les a quand même bien sensibilisés avant de rentrer dans le projet. L'intérêt aussi d'être tout le temps à alterner les séances, à renvoyer à l'autre discipline. Ça a plutôt bien fonctionné. Non, on fait une autre séquence qu'on fait depuis 2-3 ans maintenant sur le bonheur des dames. Faire dire du Zola au 4e, c'est pareil, c'est s'accrocher sur la révolution industrielle. Voilà, à fort un gain de temps énorme vraiment en alternant les deux. Voilà, du coup, en fait, ça c'est un peu ce qu'on disait ce matin. Enfin, en fait, on s'enrichit mutuellement, et puis du socle, des compétences familiales, des compétences disciplinaires, finalement, tout est valorisant. Et donc, pour les élèves, on est vraiment un travail sur la motivation, puisque chacun amène aussi son savoir-faire. On parlait de ce qui était à déconstruire, mais nous, on a aussi pu construire sur ce qu'ils avaient déjà en eux comme connaissances. Et puis le travail en groupe, après tout, c'est aussi le levier de motivation important, puisque ça leur a permis d'avancer. Voilà, donc du coup, réinvestissement. Et puis, puis là aussi, on a vraiment vu une classe qui s'engageait et puis qui s'engage toujours. Voilà. C'est rigolo parce qu'il y a aussi à long terme, je vois vraiment les bénéfices. Il n'y a pas que cette séquence, c'est tout le projet, mais le groupe classe qui reste sur 2 ans, sur lequel on a travaillé ces choses-là, on a vraiment quelque chose de... Je vois bien, moi j'ai 2 troisièmes différentes cette année, et je vois bien la différence entre les deux classes, et c'est très drôle, parce qu'il y a pas très longtemps, on a reçu un message de deux élèves qui ont suivi ça, qui sont passés en 3e prépa pro, et leur prof de lettres histoire, ils ont fait toute une étude autour de la caricature, et c'était des élèves, clairement en échec, fâchés avec l'école, et ils ont eu 18, donc c'était vraiment exceptionnel pour eux, quoi, je veux dire. Évidemment, parce qu'ils sont arrivés, ils savaient faire, quoi. Comme c'était une séquence qui les avait marqués, ils se souvenaient de ce qu'on avait dit sur la caricature, sur la formation. Marie et Marlène, ce que vous nous présentez là, des bénéfices de ce travail-là, en gros, ça rejoint l'analyse et les conclusions de votre mémoire de master. Oui, tout à fait. Effectivement, on s'est interrogé sur les différents leviers, à la fois en termes de personnes, effectivement, parce que le fait d'avoir un groupe pérenne, d'avoir des enseignants pérennes, c'était le levier, parce que c'était l'objet d'études qui était le levier, on a réussi à quand même partir sur tous ces aspects-là. Ce sur quoi on conclut là, effectivement. Normalement, ça donne ça. juste pour la table des matières, mais... On est vraiment désolé parce qu'on a été un peu long, mais du coup, ça aurait été intéressant d'être dans le dialogue avec vous. Néanmoins, si ça vous intéresse, allez jeter un
l'année de manière plus approfondie. On a préparé à la fois le déroulé, le truc comment, et puis à la fin, vous avez aussi tous les liens. Vous avez les liens Padlet. Et il y a un Padlet qui regroupe tous les Padlet, parce qu'on a bien joué au Padlet. Je t'ai mis nos tuteurs. Et il y a tous les contrats. Le prédit aussi, oui. Le prédit, je l'ai mis. Il y a tout. Merci. Donc, il y a tout.